La Flow Family, comment ça va? Bien? Écoute, moi ça va très bien. Moi ça va très bien. Très bien. On va faire une vidéo aujourd'hui. Je sais qu'elle va te plaire. Tu vas kiffer. Tu sais pourquoi? Bon, déjà. Quand tu vois que j'ai ce mic là dans les mains, tu sais que ça va être un moment où on va juste parler story time. Je vais te raconter des choses. Et je suis très content de faire cette vidéo là parce que ça fait longtemps que je vais la faire. Mais j'hésitais parce que je n'avais pas. J'avais pas assez de poids. J'avais pas assez aussi de contenu en termes de racontage. Je n'avais pas assez. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu l'as vu dans le titre, on va parler des différentes catégories d'invités insupportables, irrespectueux que tu peux trouver sur un mariage. Bon, allez, tu vas voir qu'on va y aller progressivement, petit à petit. L'oiseau fait son nid. On va y aller tranquille. On va commencer par... On va pas entrer dans le vif du sujet trop vite. On va prendre le dernier, l'ultime, là. Le dernier des brigands. Le dernier des casse-noisettes. On va le prendre pour la fin. On va commencer petit. Tu sais ce qu'on va faire? On va découler la journée, tu vois. Cette vidéo-là, elle s'adresse pour tous les néophytes dans le milieu, tous ceux qui sont encore vierges d'esprit, qui n'ont pas encore eu ce traumatisme que tu reçois. Le premier iPad, le premier caméscope, le premier téléphone, le premier Samsung ou le premier Huawei. À toi qui viens de commencer et qui ne t'es jamais pris un iPad 7 devant ton objectif au moment où l'échange des vœux se fait. À toi qui n'as jamais reçu tante Junette qui te dit « Est-ce que tu peux la prendre en photo avec son Nokia 3310 ?» Non, je rigole, pas un 3310, mais t'as capté, un vieux téléphone, quoi. Et qui s'est plaint parce que la photo était nulle. Bref, cette vidéo s'adresse à toi, mon jeune néophyte qui débute dans le milieu et qui va faire son premier mariage et qui va se faire victimiser. Oui, tu vas te faire victimiser. Mais si c'est ton premier mariage et que tu as regardé cette vidéo-là, tu t'en sortiras vainqueur, plus fort, car tu auras les skills. Tu sauras comment vaincre ton némésis. Tu sauras comment vaincre ce dragon cracheur de feu qui veut absolument que tu le prennes en photo avec son Samsung P9 parce qu'il vient de l'acheter et qu'il a entendu que ça fait de meilleures photos et vidéos qu'iPhone et il veut le montrer à tout le monde. Ah, je vais trop vite en besogne. Faut qu'on y aille tranquillement. On commence la journée. Bon, tous mes experts, je pense que c'est juste pour vous, peut-être un petit remémoring de certains épisodes de votre vie quand vous étiez jeune dans le milieu. Ou peut-être c'est des choses qui vous arrivent déjà et maintenant vous arrivez à mieux les gérer. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et à me dire comment vous faites, hein, dans certaines situations. Et par contre, les gars, qu'on soit clair sur un truc. Je vous demande pas de réagir comment vous aurez réagi à ma place dans la situation. J'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. De me dire, moi à ta place j'aurais fait ça, t'es pas à ma place, t'as pas mes émotions, t'as pas mes sentiments, t'as pas mon ressenti, ok? Moi ce que je veux comprendre et ce que je veux savoir de toi, c'est comment tu as réagi dans tes propres situations. Je pense que comme ça, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde, ça va éviter qu'on ait des commentaires à la con qui servent à rien en mode, oui mais moi je comprends pas pourquoi tu as fait ça, moi à ta place j'aurais fait ci, c'est normal poteau, t'es pas à ma place, c'est pour ça que tu parles comme ça. Et moi ce genre de commentaires là ne m'intéresse pas, mais pas du tout les gars. Alors je vous dis la raison pour laquelle ça ne m'intéresse pas, pour ceux qui viennent d'arriver et qui vont apprendre à me connaître, je suis TDAH, donc il y a des choses qui... Voilà, on va regarder mes anciennes vidéos, tu vas capter. Bon, allez, c'est parti, la journée commence, c'est une belle journée ensoleillée. On t'a dit que la mariée allait commencer à se préparer sous le coup de 10h30. Tu trouves que c'est un peu juste, mais tu es un professionnel. Tu connais ton métier, tu connais ton matériel, tu sais de quoi tu es capable. Donc tu te dis 10h30 pour ensuite arriver à 20 minutes plus tard, se rendre chez le marié qui lui se prépare à midi. Donc ça ne te donne pas énormément de temps pour faire tes photos avec la mariée ou tes vidéos, mais tu te dis je vais y arriver parce que tu crois en toi et tu crois en ce que tu sais faire. Donc tu arrives, c'est 10h30, mais toi tu arrives à 10h. T'arrives 30 minutes avant parce qu'il faut le temps de voir les lieux, t'imprégner de l'atmosphère, commencer à savoir où tu vas placer la robe, où tu vas mettre la mariée et tous les trucs et tout et compagnie. Donc techniquement, tu avais prévenu que tous ceux qui seraient prêts pourraient avoir des vidéos avec la mariée si on a le temps. Dans le cas de si on est prêt, en même temps que la mariée. Donc là, il est 10h30, c'est à ton tour, ok? La maquilleuse est en train de maquiller en même temps. Tu en profites pour prendre quelques clichés, pas trop, pour ne pas déranger cette professionnelle.
professionnelle qui, elle aussi, s'est préparée pour la journée. C'est pas comme tu arrives, elle se casse et toi tu fais tes photos. Non, vous devez être ensemble parce que vous êtes là au service de la mariée. Ok, t'as capté? D'accord. Donc, tu continues, tu fais tes petits clichés, tu es là, tu discutes, tu échanges, tac, 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 tac. Et tu vois que de plus en plus, tu commences à t'imprégner de l'atmosphère, tu commences à avoir des idées, tu mets la robe là, tu mets les accessoires là, tu te poses, tu claques, tu fac, tu filmes, tu es là. Et oui, ah, tu claques, tu capté, t'es dans ton truc là. Ça commence comme en formule là. Quand tu commences à prendre de la vitesse, ça commence à se resserrer là. Ça commence à se resserrer, resserrer. Tu vois le truc. Tu vois où tu veux aller. Nous allons avoir affaire au premier irrespectueux. Celui-là, il est subtil. Parce que lui, cet invité-là, la plupart du temps, c'est un membre de la famille. Ça peut être n'importe, c'est aléatoire. Ça peut être n'importe lequel. Donc tu verras que ça peut vraiment être n'importe lequel. C'est au moment, écoute-moi bien, que tu es prêt à commencer à faire les photos, par exemple, de la mariée dans sa robe, les photos pour la mariée. On est d'accord, là tu viens faire les photos pour la mariée. Tu n'es pas là pour faire les photos des autres. C'est au moment où tu es là pour faire les photos pour la mariée, il te reste 10 minutes avant de t'en aller sur l'autre scène, que tu as le premier invité respectueux qui se lève et qui décide de prendre son téléphone. Et comme il trouve que la mariée est super belle, « Oh, comment tu es belle, ma chérie. Fais une petite photo pour moi, fais une petite photo pour moi. » Non, frérot, non, non, mais va faire un abeille te rentrer dans... Non, je ne te ferai pas de photo avec ton appareil, ni avec ton téléphone. Là, les 10 minutes qui sont là sont à moi. Tant que professionnel, ce sont mes 10 minutes que je dois accorder, me concentrer pour faire de bonnes photos, pas des clichés n'importe comment à la volée avec la mariée, des photos qui vont être éternelles dans le temps, qui vont perpétuer, qui vont se... que chaque fois qu'elle va regarder ses photos, elle va se sentir bien, elle n'aura pas l'impression qu'on s'est... Elle voit au-delà de la photo, elle t'a capté le bail. C'est une séance photo que tu vas devoir faire en 10 minutes, je n'ai pas le temps de prendre ton... 33-10 pour faire des photos juste parce que tu as trouvé que la mariée était belle et je suis là pour ça. Non, je suis pas là pour te prendre en photo, je suis là pour prendre la mariée en photo, sachant qu'il y a déjà 20 minutes de ça, j'avais déjà expliqué que tous ceux qui veulent des photos avec la mariée, c'est maintenant, je profite qu'on a un temps parce que je fais en même temps mes réglages, je peux faire quelques bons clichés, c'est pas des clichés qui demandent un énorme temps de prise de tête non plus, donc je peux profiter que je fasse mes réglages pour qu'eux ils viennent et ils se prennent en photo avec la mariée à côté. Mais quand je me lance dans les photos de la mariée, surtout que parfois tu n'as pas cette occasion d'aller ailleurs, tu dois faire les choses sur place, je ne veux voir personne. Et moi je le veux, moi je le dis les gars, au moment où vous allez faire les photos de la mariée pour la mariée, qui vont être parfois inclus dans un album, c'est pas à ce moment-là que vous allez laisser les gens vous dire « Tiens, fais-moi une photo avec la mariée, avec mon téléphone, avec ceci, cela. » Non, osez leur dire non. Parce que ces 10 minutes-là, vous ne savez même pas si vous allez pouvoir les récupérer dans la journée. Vous allez voir pourquoi. Vous ne savez même pas si vous allez pouvoir récupérer ces 10 minutes-là dans la journée. Donc là, dégage. Ce sont mes 10 minutes avec la mariée. Je veux voir personne, que tu sois son frère, que tu sois son père, que tu sois le curé, que tu sois le pasteur. Je ne veux voir personne. Ce sont mes 10 minutes avec la mariée. Je n'ai que 10 minutes. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je suis aussi virulent? Parce que une fois ces 10 minutes passées, je me casse, je m'en vais. La mariée est encore là. La cérémonie est à 14h, la mariée est encore là. Tu pourras prendre tes photos avec elle si tu veux. Je te laisserai tout le temps entre moi et le marié, entre ici et le marié. J'ai 20 minutes, tu as 20 minutes pour prendre des photos, je ne suis pas là. Pourquoi tu veux prendre des photos au moment où moi je prends des photos? Tu casses les nouilles. La mariée m'a convié pour cette journée, d'accord? D'accord? Donc moi, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Et toi, invité indésirable, parce que là, tu t'es invité et tu es indésirable dans le moment, casse-toi. Donc, dis-toi que ça, ça va se répéter pendant les préparations de la mariée et pendant les préparations du marié aussi. Tu peux avoir le même cas. C'est dans les deux sens. Tu peux avoir ça du côté de la mariée comme du côté du marié. Et ça, les gars, je suis désolé, les gars. Pardon, mais ça, c'est beaucoup dans ma communauté. C'est beaucoup dans ma communauté, les gars. Vous voulez peut-être pas entendre ça, mais c'est vrai. C'est vrai. J'aurais voulu dire autrement, mais c'est vrai, il y a que le si je dois
disons que sur 20 mariages, ok, sur 20 mariages que je vais faire, eh ben 15 fois où je vais avoir cette situation-là, c'est dans ma communauté. Et on dirait que vous ne voulez pas comprendre. Et en plus, après, ils sont vénères. Après, cet invité-là, il est énervé. Il va te regarder mal pendant tout le reste de la journée. Et c'est lui qui va faire des mauvaises paroles sur toi. Alors que le gars avait tout son temps pour prendre des photos. Il n'a pas voulu les prendre. Et au moment où toi, tu prends, tu fais le cadre, t'as là, t'as une bonne lumière qui arrive à passer, il te dit non, il veut faire une photo avec la mariée et puis il se met à côté. Et quand tu dis de sortir, c'est toi le mauvais. Et la mariée, elle sait pas où se mettre, pauvre d'elle, parce qu'elle doit dealer entre ne pas froisser un membre de sa famille et ensuite, elle sait pas où se mettre. Mais attends, moi j'ai eu des mariées, c'était des warriors. Et j'ai des mariées, des fois, c'était des amazones. Et j'ai eu des mariées, elles ont dit cash et il y a tonton qui arrive là, tonton, sors mes photos. Et j'étais en... Et dans ma tête, j'étais comme ça. Go girl, yeah girl. Ah ouais, non, il y a des mariés, je suis tombé sur quelques mariés et elles étaient à deux doigts de péter. Chasser vos invités, même si c'était les membres de sa famille. Non, ça c'était stylé. Dire en mode, hey, ce sont les photos avec mon photographe, laissez-moi tranquille, vous allez prendre vos photos après. J'étais là, vas-y, vas-y. Non, allez, je me calme. Bon, t'as capté? Ça, c'est le premier invité indésirable. Celui-là, la plupart du temps, comment faire pour s'en débarrasser? C'est simple. Ben, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut être clair, il faut être précis et il faut être strict. Tu donnes un petit temps où tu leur dis, à ceux qui sont là et sont prêts, qu'ils peuvent venir faire des photos avec les mariés pendant que toi, tu es en train de te préparer. Okay? Pendant que ça te permet de chercher les angles. Par exemple, tu les mets par là, tu les mets par là, tu fais tes photos. Ben, en même temps, c'est des photos souvenirs qu'ils pourront garder. Une fois que tu es prêt, tu expliques bien qu'à partir de maintenant, les photos avec la mariée, c'est terminé. Maintenant, tu as besoin d'une session avec elle. Toute personne qui va te dire, non, mais une dernière avec là et là, tu dis non. C'est à partir de là qu'il faut que tu dises non. Si tu dis oui, t'es foutu. C'est à partir de là que tu dois dire non et que tu dois être strict et tu ne dois pas déroger à la règle, quelle que soit. Non, aucune. Ne va pas faire style non. Non, c'est non. T'as capté? C'est très important que depuis là, tu dises non. Ça permet de mettre une marque psychologique dans leur tête parce qu'ils vont dire et ça va se propager. Oui, j'ai voulu prendre une photo avec le photographe, il m'a dit non. Ça là, ça met déjà un message dans la tête du prochain. Et lui, il va y réfléchir à deux fois avant de venir te dire est-ce que tu peux le prendre en photo avec ton téléphone. T'as capté ou pas? Parce qu'une fois que tu auras fait ça, voilà comment ça va se passer. Maintenant, disons que tu vas arriver à la cérémonie. Les gars, s'il vous plaît, chers invités irrespectueux, hear me now, écoutez-moi bien, c'est un moment pour vous d'augmenter le volume. Arrête de faire la vaisselle, assieds-toi, ouvre tes oreilles et écoute ce que j'ai à te dire. À l'entrée de la mariée, tu as le marié, ça fait des années si ça se trouve qu'il attend ce moment. Ça fait des années que le gars imagine ce moment. Ça fait des années que le gars fait des rêves mouillés de ce moment. Ça fait des années que le gars, il imagine comment sa future femme va rentrer. Ils ont prévu des trucs. Ça fait des années, si ça se trouve, qu'ils préparent ça. Le jour arrive, il est debout, il est prêt, il est frais, ses contours sont faits. Il a fait des pompes la semaine d'avant, il a fait des squats la veille, il a fait 2-3 pull-ups juste avant de mettre son costume. Le gars, il est sapé, il est frais, il retient ses larmes, mais ses larmes, plus le son est en train de jouer, plus la musique commence à monter, plus il sent que le moment arrive. Les portes s'ouvrent et il voit la robe, le bas de la robe qui commence à rentrer petit à petit et ses yeux montent. La maquilleuse a fait un travail extraordinaire, mais il ne pourra pas le voir sa mère parce qu'il y a ta grosse tête avec ton téléphone juste devant lui. Tu casses les nouilles, tu casses l'ambiance, tu casses le moment de la personne. C'est clairement ce que tu viens de faire. Tu viens de foutre en l'air tout un fantasme. Bravo, je ne t'applaudis pas. Je ne te donne même pas mes deux mains. Je préfère être manchot pour t'applaudir. Non, je ne t'applaudirai pas. Je ne suis pas... Déjà, au-delà du fait que moi, du coup, je rate l'entrée de la mariée à cause de toi et de ton vieux téléphone, mais non seulement ça, le marié lui même rate ce moment important. Et moi, par pudeur, je ne vais pas m'interposer entre lui, toi et la mariée. Donc, la plupart du temps, ça arrive que les entrées de mariée et de la mariée, je les prends au loin parce que je ne veux pas que le marié puisse avoir en première image ben moi, en fait. Et quand tu as ces genres d'invités indésirables que pendant la cérémonie et que l'entrée de la mariée se fait, des fois, c'est dans des églises et les églises, c'est pas très grand. Donc déjà, t'as pas beaucoup de place. Même si tu leur dis, écoutez, l'allée est réservée aux professionnels de la vidéo ou de la photo. Si t'es pas déjà en train de te battre avec le photographe qui veut absolument être devant toi pour prendre la photo, comme si le gars, il peut pas s'équiper d'un 70-200. Et ça, c'est aussi sur vos problèmes. Hein. Pour des fois, quand vous allez prendre des amateurs pour faire des trucs et ils ont pas l'équipement qu'il faut. Parce que ces gens-là pensent que juste parce qu'ils ont un appareil, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Chaque appareil a des spécificités et chaque moment a besoin d'un matériel précis. L'entrée de la mariée, je suis désolé les gars, l'entrée de la mariée, ça se
se fait avec un soir, avec un zoom. Tu te mets dans une position assez loin pour pouvoir prendre tes images sans déranger le marié qui doit voir sa femme entrer. Arrêtez de casser les ourlets, les gars. Sérieux, vous êtes là avec vos téléphones, vos iPads, vos je sais même plus quoi d'autre. Vous empêchez vos gars de profiter de cet instant. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois que je fais une entrée de mariée. Et moi-même, j'ai pas le choix pour la vidéo d'être là. J'essaye de faire vite. Je prends l'entrée de la mariée. Des fois, même là où je vais la prendre, il n'y a pas une lumière de ouf. J'ai pas le temps de faire la mise au point. C'est obstrué. J'ai des gens partout dans mes pieds. J'ai des téléphones. J'ai des gens qui sont là avec leur téléphone. Je peux pas prendre. Mais je me dis, je fais vite. Je prends au moins, je capte cette partie-là et je disparais pour que le marié puisse voir sa femme rentrer. Même moi qui suis prévu pour ça, voilà ma mentalité. Toi qui es invité, tu te rends indésirable avec ton téléphone et tu... Sérieux, ça c'est le deuxième. J'ai même... Attends, laisse-moi arriver sur le dernier palier, tu vas voir. Tu vas voir quand je vais arriver sur le dernier palier. Donc là, quand le marié rentre, il a son épouse, sa future épouse, et des téléphones. Et je te donne du point de vue de la mariée. Du point de vue de la mariée qui rentre, si elle a le voile sur elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que... Déjà, avec le voile, des fois, tu ne vois pas très bien, tu vois. Donc là, elle a toutes ses émotions, elle essaie de marcher. Pour ne pas trop tirer le voile, essaie de marcher. Elle a chaud, elle est dans tous ses états et tout. Et elle cherche un regard. Des fois, elle cherche quelqu'un, un sourire, quelqu'un pour... Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a des marques de téléphone. Et il y en a même, vous mettez vos flashs. Oh là là. Il y en a, vous mettez vos flashs. Mais vous êtes quel genre d'énergumène? Comment faire avec ce genre de personnes? Qu'on entende bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas contre ceux qui utilisent leur téléphone pour avoir des souvenirs et qui sont à leur place. Moi, je suis contre ceux qui, comme c'est avec leur téléphone, tu ne peux pas zoomer, avoir une bonne qualité pour certains. Donc, c'est pour ça qu'ils vont se rapprocher. Okay, pour être au plus près de l'événement. Je ne suis pas contre ceux qui restent à leur place et qui filment ce qui se passe. Cela, vous ne me dérangez pas. Parce que généralement, moi, avant de me lancer sur une cérémonie, je demande à la coordinatrice ou celle qui prépare ou organise, ou des fois moi-même, je prends un micro et je dis, ça ne me dérange pas que vous puissiez filmer. Je ne peux pas vous empêcher de filmer, sauf si les mariés l'ont demandé. Si les mariés ne l'ont pas demandé, faites ce que vous voulez. Faites ça au cas senti. Mais... je vous demande par respect pour mon travail de ne pas vous mettre dans l'allée, de ne pas venir obstruer l'accès. Parce que moi, il faut que je réfléchisse à mon chemin, à ma mise au point. Tous ces trucs-là, vous vous en battez les couilles, je le sais. Mais c'est pour moi. Et je dois filmer l'entrée de la mariée tout en regardant à ne déranger personne. Mais si en même temps, je dois faire attention à ta fille ou à ton fils ou à ton gosse qui est en train de courir dans l'allée ou même toi qui es baissé, pourquoi tu es baissé au ras de mes fesses pendant que je recule? Ensuite, je te marche dessus, je rate mon truc, Non, comment faire? Faites une annonce. Demandez aux gens par respect pour le marié, pour la cérémonie, pour tout ce qu'ils ont prévu ce jour-là. Restez à vos places. Vous pouvez filmer de vos places. Vous aurez la vidéo par le biais des mariés pour voir ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce souvenir sur votre téléphone. Qu'est-ce que ça vous sert? À rien. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire un montage? Vous allez lui envoyer? T'as dit, regarde, mais ma vidéo, elle est mieux que celle du photo du vidéaste. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Elle t'aurait appelé toi, sinon. Tu veux prouver quoi? T'as un truc à prouver? Ben vas-y, ouvre une page Instagram et puis va chercher des clients. Donc, restez à vos places, s'il vous plaît. Mais tu sais quoi? On n'y peut rien contre ces gens-là. C'est juste du manque de respect, tu vois? C'est un respect qu'ils n'ont pas. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est un respect que vous n'avez pas. Et comme vous n'avez pas ce respect-là, vous vous comportez ainsi. Parce qu'au-delà de ça, pendant ce temps-là, tu as le summum de celui qui va carrément venir à côté de toi pour filmer en même temps. Si je pouvais te faire disparaître dans un amas de fumée, je le ferais. À toi qui viens, pendant que je filme l'entrée de la mariée ou du cortège, à côté de moi, avec ton vieux téléphone, tu casses. Sérieusement. Et encore une fois, c'est toujours le comité. Combien de fois je me suis retrouvé? Parfois, tu as la mariée qui rentre et il y a de la place pour les gens à l'intérieur. Hein. Mais tu as toute une délégation de personnes autour avec le téléphone. Vous filmez. Mais sérieusement, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que vous faites avec ces images? À quoi ça va vous servir? Mais vraiment, vous avez été invité pour passer un moment avec des gens qui vont s'unir devant vous, qui vont faire leur engagement. Ils ont prévu des gens pour immortaliser le jour, pour immortaliser le moment.
partager ce moment-là avec eux. Qu'est-ce que tu as à te cacher derrière un téléphone? Tu es censé être sa pote, tu es censé être son ami, tu es censé être quelqu'un qu'elle connaît. Elle sait quel type de téléphone tu as. Tu n'as pas besoin de lui montrer aujourd'hui, tu peux lui montrer une autre fois. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre rapidement la mariée quand elle rentre et j'essaie de disparaître, en fait. Et la plupart du temps, je me mets soit sur le côté pour avoir un point de vue où tu as tout le monde ensemble quand le marié va rencontrer la mariée, où je me mets derrière le marié quand j'ai de la place pour, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de place. Et là, j'essaye de prendre dans l'ensemble tout ce qui se passe. Mais je vous montrerai pas d'image parce que je veux respecter le choix de mes mariés qui sont que leurs films de mariage sont pour eux. Ce n'est pas tout le monde qui accepte que son film de mariage soit sur le truc. Et je vous ai déjà expliqué, moi, je ne suis pas là pour faire des polémiques. Parce que pendant que je vous dis ça, si je vous montre les images en même temps pour vous expliquer à quoi ça ressemble, vous allez voir des gens et les gens, ils vont mal le prendre. Je sais, vous n'avez pas la spiritualité et la sagesse pour vous dire que vous êtes en tort. Vous allez être blessé par mes propos. Donc l'émotion va monter. Au lieu de vous dire que peut-être, ok, il a peut-être pas tort. Bon, j'aime peut-être pas la manière qu'il parle, j'aime peut-être pas son chapeau, mais il a peut-être pas tort. Et je sais que j'ai pas tort, donc laissez-moi tranquille, je sais que j'ai pas tort. C'est juste que vous n'êtes pas capable d'encaisser la vérité. Et c'est une vérité, ça. Vous êtes nuisible avec vos téléphones dans ces genres de conditions-là. Tout type, tout professionnel dans la photo et vidéo mariage va vous le dire. Tout professionnel va vous dire. Celui qui vous dit que vous ne le gênez pas, franchement, qu'il envoie un message et qu'il mette un commentaire qui m'explique comment il fait. Pour ne pas trouver ça dégradant dans son image, d'avoir tout le temps des gens avec leur téléphone qui filment la scène de ce qui se passe et que lui, il doit se battre pour avoir une image propre, agréable à regarder. Combien de fois je reçois des exemples, on veut ça comme image pour mariage et je ne peux pas le faire parce que dans la situation, je me retrouve avec plein de personnes avec leur téléphone autour des mariés. Au lieu d'avoir des gens dans l'assemblée qui sourient, qui participent à un moment avec eux, qui échangent avec eux, non, j'ai des paparazzi avec leur téléphone. J'ai des commerciaux qui montrent le dernier iPhone qui est sorti ou le dernier Samsung. J'ai des commerciaux qui montrent à quel point le Huawei fait de bonne qualité. Et là, on va arriver, les gars, on va arriver, pour moi, le summum du pire invité irrespectueux qu'il puisse avoir. Et je pense que vous avez fini par comprendre que c'est exactement, on sait de qui je parle, c'est clairement celui qui a son téléphone et qui filme tout. Mais vous savez qu'il y en a encore une autre catégorie. Ceux-là, au-delà du téléphone que, ouais, t'arrives à passer outre. Il y a une catégorie, les gars. Pour moi, ils ont participé à une réunion en enfer et on leur a dit, faites ça pour faire chier les photographes et vidéastes. Personnellement, je vois que ça. Pour moi, ce sont ceux qui ont été invités, à qui on n'a pas demandé de faire quoi que ce soit, ou je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, toi, t'es pas au courant, parce que moi, je demande toujours et je le dis, est-ce que je suis le seul vidéaste ou le seul photographe sur place? T'en as qui viennent avec leur propre appareil. Ceux-là, là, vous méritez chichi, pour ceux qui ont la ref. Ceux-là, ce sont ceux qui viennent avec leur propre appareil et qui se mettent à côté de vous comme si c'était votre coéquipier, comme si il était mandataire en même temps que vous. Et ils vous lâchent pas de la journée. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, mais ça ne m'arrive plus jamais. Ah, parce que moi, je mords. Alors peut-être certaines personnes verront cette vidéo-là et pensent que je suis en train de me mettre une balle dans les pieds dans le business, mais c'est pas grave. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Vous me voyez sur une cérémonie avec mon matériel, je vous préviens, j'autorise que vous puissiez faire tout ce que vous voulez, mais dans mon espace de travail, je défends mon espace de travail. Je vais vous envoyer paître avec sagesse, avec douceur, mais je vais vous envoyer paître. Là, j'ai un ton assez virulent, mais le jour même, je vais vous envoyer paître et gentiment, avec tout le beau français que je dispose comme mot dans mon magasin et dans mon dictionnaire et dans mon vocabulaire. Je vais clairement vous faire comprendre que vous avez rien à faire à côté de moi pendant que je travaille. Allez dans la foule, allez participer, soyez un invité. J'en ai qui arrivent directement avec leur appareil photo et leur flash. Toi, tu ne shootes pas au flash pour ne pas déranger et lui, il arrive avec son fucking flash. J'en ai eu un qui est carrément arrivé avec son truc là, avec son Osmo Pocket là, et pendant que j'essaie de filmer et de, donc du coup moi j'ai un mouvement de recul, le gars il était derrière moi, donc je recule, je regarde, je vois que j'ai personne, donc je continue à reculer, un moment assez important avec les mariés que je n'ai pas pu avoir. Pourquoi? Parce qu'à un moment je bute sur lui, donc mon cadrage est foutu, le moment est foutu, et le gars il s'en excuse même pas en fait. En gros, c'est ma faute. Vous là, vous, je vous aime pas. I hate you. Ok? Je ne vous aime pas.
parce que vous ne me facilitez pas la tâche. Déjà que c'est un truc qui est assez stressant, c'est assez compliqué. On est en perpétuel stress de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va capter les bons mots, machin et tout. Et on est obligé maintenant de réfléchir à cause de vous. À cause de vous, on doit prendre une réflexion en plus qu'on n'est pas censé avoir. Est-ce que sur ton lieu de travail, je viens te casser les pieds à filmer ce qui se passe autour de toi? Est-ce que quand tu vas à la boulangerie, tu rentres dans la boulangerie avec ton panier, ta farine, ton eau et tu es en train de faire ton pain en même temps? Non. Alors pourquoi vous nous faites ça à nous, photographes et vidéastes? Je n'ai jamais vu quelqu'un aller sur le lieu de travail d'une autre personne juste parce que tu es pâtissier, tu rentres, mais rentre dans une pâtisserie et fais un gâteau. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu respectes le travail de celui qui le fait et qui te le propose. C'est pareil pour le photographe et le vidéaste. Respectez notre travail, respectez notre zone de travail. Arrêtez de venir et d'être des nuisibles sur notre zone de travail. Vous êtes fatigant, vous êtes stressant et vous nous rajoutez du stress, de la fatigue en plus, et vous nous rajoutez de l'énervement et ça nous déconcentre du moment. Je suis obligé de le dire. Je ne sais pas si d'autres photographes, d'autres vidéastes sont d'accord avec moi ou si tu vas entendre ça sur d'autres pages YouTube. Je ne sais pas. Ce que je sais, pour en avoir parlé avec pas mal, au fond, vous êtes nuisible, vous êtes dérangeant. Donc oui, le jour même, on vous donne des beaux sourires, on vous dit... Moi, j'ai pas le temps avec ça. J'ai plus le temps avec ça. Moi, c'est terminé. Parce que quand je rentre et que je me rends compte que parfois, mes images sont pas bonnes, je me rappelle pourquoi elles sont pas bonnes. Parce que j'avais un nuisible qui était passé quelque part. Et que soit j'ai dû éviter, soit j'ai dû esquiver, soit à un moment, j'ai fait une photo et lui, il a déclenché son flash en même temps, donc il a déclenché mon flash. Oh, vous êtes fatigant. Et plein de personnes je connais qui disent qu'ils ne veulent plus faire ce métier de photographe ou vidéaste de mariage, pas à cause des mariés, à cause des invités. Parce qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est que, par exemple, vous avez 200 personnes invitées à un mariage. Nous, on doit traiter avec 200 types de personnalités à la seconde limite. Pendant une journée, on doit être capable d'être conciliant avec 200 personnes. C'est fatigant. Laissez-nous bosser. Laissez-nous œuvrer. Let me cook. Arrêtez ce que vous faites de venir polluer la zone de travail du photographe. Vous là, pourquoi vous êtes les pires? Et je terminerai sur ça. Parce que quand on arrive à la fin, après que vous ayez pollué l'entrée de la mariée, après que vous ayez pollué l'échange des vœux, oui, parce que c'est toujours vous qu'on va retrouver devant limite à un moment de l'alliance, vous êtes devant moi, pour faire quoi? Pour faire quoi? Ce que je vous donne là, c'est des anciennes expériences hein, de personnes qui m'ont fait, maintenant on ne me fait plus ça hein. Ah, je vous dis, maintenant je mors. Ah, j'ai aucun problème maintenant à dire aux gens de sortir, aucun problème, tu peux être qui tu veux, tu sors, parce que moi déjà dans ma manière de faire, je fais en sorte de ne pas gêner ceux qui regardent. Je ne veux pas que quand tu assistes à la cérémonie des deux personnes qui t'ont invité, que tu aies tout mon gros matériel devant toi. Donc mon matériel est pensé pour prendre le moins de place visuelle possible et que je puisse avoir un angle qui fait que tu auras toujours visuel sur ce qui se passe. Par contre, à l'échange des baisers ou des vœux, de machin, tout ça, je n'ai pas le choix. Je dois faire mon image. Je me mets jamais entre le public et les mariés. J'essaye, si j'ai pas le choix parce qu'il y a rien derrière, je me mets sur le côté comme un invité, donc je regarde la troisième personne, et si j'ai la possibilité, je me mets derrière les mariés pour voir la première personne, et comme ça en même temps j'ai un petit peu directement comment l'assemblée réagit au moment, les applaudissements, machin et tout, et c'est stylé, et c'est beau à voir quand tu vois, ils font les échanges de vœux et tout, et puis que t'as l'assemblée qui les acclame, pas qui appuie sur partager ou enregistrer. Et j'arrive sur le dernier là, le tout dernier là, celui, la toute dernière partie où j'ai carrément envie de vous attraper et de vous enfermer dans un coffre fort et de vous jeter tout en bas au fin fond du tartare. Après avoir fait les photos, quand j'ai fait les photos avec tout le monde, toute la famille là, tu fais les photos avec tout le monde et t'as le gars avec son appareil photo ou sa vidéo à côté qui demande l'attention. Donc 80% du temps sur toutes les photos, tout le monde va regarder son appareil et ensuite ils vont venir se plaindre que sur les photos, on les voit pas. Ou celle-là, j'aime pas ma tête saucisse. J'en ai plus rien à faire. Au moment où je décide que ce sont les photos de famille, machin et tout, toute personne que je vois avec un téléphone levé ou appareil, je pose mon téléphone, je fais mon appareil, je ne fais rien. J'attends. En fait, je fonctionne ainsi. Comme ça, si après on me dit, alors vous allez dire c'est dommage pour les mariés. C'est pas dommage pour les mariés parce que les mariés ont leurs photos. C'est dommage pour les invités. C'est dommage pour les invités parce que
ils vont me dire ensuite, oui, mais pourquoi moi je ne suis pas sur les photos? Pourquoi je n'ai pas ma photo? Si tu as ta photo, elle est sur ton Samsung, va chercher dans tes pellicules sur ton iPhone, va chercher dans ton application. Oui, il y a ta photo avec la mariée, oui, c'est dedans. Oui, mais pourquoi je n'ai pas celui avec le photographe? Parce que tu m'as cassé les couilles au moment où il fallait le faire. Tu étais en train de regarder tonton Hugo qui faisait la photo et ensuite tu es allé vérifier si la photo était bonne. Et ensuite tu t'es barré. Donc c'est normal que tu ne sois pas sur mon appareil. Moi, si je suis sur mon appareil, toutes les personnes à qui j'ai dit c'est à votre tour, allez-y avec les mariés, on regarde ici. 1, allez, sourire, 1, 2, 3, go, vive les mariés, 2, vive les mariés, 3, vive les mariés, bah, fais vite fait avec, attends, fais vite fait avec, non, je peux pas travailler comme ça, non, personne ne peut travailler comme ça, c'est pas agréable. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enchaîne, il prend ses photos, c'est pas grave, je m'en occupe plus. Dès que j'ai quelqu'un avec à côté les mariés qui regardent vers moi, je prends les photos. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça et que c'est les photos de moi et les mariés, chasse gardée. Et vous avez le culot, certains, de vouloir suivre quand même pour prendre les photos en même temps. Alors ça, là, pour moi, vous êtes des vampires. Pour moi, à ce moment-là, c'est des vampires. Vous êtes des vampires. J'ai pas de problème à le dire. Vous êtes des vampires. Des fois, tu vois, tu n'as pas la possibilité de partir à un endroit avec les mariés, tu es obligé de rester sur place. Donc tu fais ton petit arrangement pour que les mariés puissent avoir des photos autres que les invités, un truc pour eux, tu vois. Tu prépares ce truc-là, un peu cocooning, tu fais ta petite lumière, ton petit endroit et tout. Je vois mes réglages et tout et j'entends... Attends, qui capte la photo? Tonton fucking Hugo qui est derrière moi avec son appareil qui prend les photos en même temps après qui me regarde. Poto, je travaille là. Là, ce que tu viens de faire, c'est peut-être rien pour vous, hein, mais ce que tu viens de faire, tu viens de voler mon taf. Tu viens de voler mon taf. Après, il va montrer sa photo à tout le monde. Ah ouais, je comprends pas pourquoi il a pris un photographe. Regarde. Regarde ça. Regarde la qualité. Pourtant, je suis pas photographe, hein. Regarde la qualité. La lumière. Pas toi qui fais la lumière. C'est moi qui fais la lumière. Ceux-là, pour moi, c'est vraiment les pires. C'est ceux qui viennent voler tes photos pendant que tu fais les photos avec les mariés ou avec toute personne. Pour moi, vous êtes imbuvable. Imbuvable. Pas comme l'aloe vera. Je m'arrêterai là. Ce sont pour moi les trois catégories d'invités complètement désagréables, irrespectueux et tout ce que tu veux mettre derrière. Voilà. Alors, moi, je m'arrête là dans la vidéo. Je pense qu'elle est assez longue pour ça. Je pourrais parler des heures sur ce sujet-là. Franchement, il y a énormément de choses à dire. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo-là parce qu'on rentre dans la période estivale où il y aura tous les mariages. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être faire vos premiers mariages et vous n'allez peut-être pas oser parce que vous ne voulez pas déranger les gens. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'eux, ils vous dérangent en fait. Ils vous empêchent de bosser. Donc, sans être vulgaire, sans être mauvais, sans être méchant. Là, j'ai fait ça comme ça pour le divertissement. Mais sans être, voilà, t'as capté, tout en restant pro, expliquer aux gens que c'est votre travail, que c'est dérangeant ce qu'ils font et ils vous empêchent de bosser. Parce que c'est du temps perdu à chaque fois de s'arrêter pour dire un tel pousse-toi, un tel ceci. C'est du temps que vous perdez pour faire une bonne photo. Après, ils disent, ouais, un bon photographe, c'est en un clic. Mais comment on a la paix avec ça? Arrêtez avec cette connerie-là. Non, c'est pas un bon photographe, hein, s'il peut pas travailler sous la pression. Mais même toi, dans ton taf, tu galères déjà. On te met la pression, tu n'aimes pas ça, tu rentres chez toi, tu te plains. Et moi, j'ai pas choisi ce métier-là pour me plaindre. Ça, c'est que pour le divertissement. Bon, la famille, j'attends vos commentaires, quand même. Les différentes, je sais pas moi, ce qui vous était déjà arrivé, vos stories, vos expériences. Ce serait très intéressant de les lire. Et puis, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, hein, les gars, la base, c'est prendre plaisir à ce qu'on fait. Sinon, on le ferait pas. Rien d'autre à dire. La Flo Family, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss. Si ça se trouve, je vais me faire lyncher avec cette vidéo-là, gars.